C'est pas vrai du tout, j'en mange tous les jours. Bonjour. J'étais sur Paris. Pour mes études, j'y suis toujours d'ailleurs, donc je suis en deuxième année de doctorat. J'arrive à exporter mon mode de vie réunionnais à Paris. Je mange réunionnais tous les jours. Je vois beaucoup de réunionnais aussi. Et puis, je profite pour découvrir d'autres cultures, bien sûr. Je voyage, je profite de la vie parisienne. J'aime beaucoup, mais je reviendrai au pays quand même. J'ai envie de dire la cuisine, oui et non finalement, parce que je cuisine réunionnais quasiment tous les jours. Donc on m'a dit que quand je serai sur Paris, j'aurais tendance à moins cuisiner réunionnais, à manger moins de riz. Et c'est pas vrai du tout, j'en mange tous les jours. J'irai le rougail andouille. Un rougail andouille bien pimenté avec des gros pois. S'il y a un peu de massalé dedans, c'est encore mieux, un bon gros pois citrouille là. Ah oui. J'aime bien le fait de vivre en Europe tout simplement parce qu'on peut voyager facilement, aller en week-end facilement également, changer de pays même pour 2 jours, et c'est génial. Donc c'est vraiment une opportunité de vivre en Europe pour pouvoir s'ouvrir un petit peu au monde, découvrir autre chose d'une part et voyager, j'adore. Alors ce qu'il y a de nouveau pour moi déjà c'est le plateau. Donc je suis arrivée, il y a plein de nouveaux produits que je ne connais pas, que je découvre, que j'ai testé. Il y a un nouveau plateau qui est très joli, sur lequel je suis très à l'aise. J'ai vite repris mes marques, mais oui, il y a de nouveaux produits, un nouveau plateau, une nouvelle ambiance. J'adore. Je voulais remercier tous les internautes qui ont eu une petite attention à mon égard, un petit message, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir de partir, de revenir et de voir que vous êtes encore là, que vous nous suivez toujours sur Antenne Réunion, ça fait vraiment plaisir, alors je vous fais plein de gros bisous.